Et alors, on peut savoir pourquoi tu es en retard? Pardon, maîtresse, parce que ma mère a frappé mon frère. Et alors, quel rapport avec toi? Elle l'a frappé avec ma chaussure. Je ne pouvais pas venir à l'école en chaussettes quand même. C'est vrai, maîtresse. Le pluriel de un coucou. Levez. Oui, bien, bien, bien. Bah, Roya, qu'est-ce que tu as écrit? Des couscous, maîtresse. Bon, vous avez écrit le verbe avoir au passé composé aux trois premières personnes. Levez. Ryan, je ne vois pas bien ce que tu as écrit. Approche un peu, s'il te plaît. J'ai mal. Tu l'as fait exprès. Maîtresse, il a rigolé sur moi. Mais c'est très bien, ça. C'est la première fois que tu fais juste un exercice de conjugaison. Je te félicite. Je n'ai rien compris. Lina, tu te décides à sortir tes affaires? Oui, maîtresse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ben, c'est quoi tout ça? Ben, ce sont mes affaires, maîtresse. Tes affaires? Vraiment? Oui, maîtresse. Aujourd'hui, je me suis réveillée très en retard. Alors, ma maman m'a dit que je finirais de me préparer à l'école. Et donc? Ben, la brosse à cheveux, c'est pour me coiffer. Les chaussettes, c'est pour pas avoir froid à mes pieds. La brosse à dents, c'est pour avoir une bonne haleine. Le parfum, c'est pour sentir bon. Ok, ok, c'est tout. Ah non. Mais ça va pas, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas honte? Mais maîtresse, on a piscine tout à l'heure, vous avez oublié. Tu veux distribuer les cahiers, s'il te plaît? Regarde, vas-y, ma belle. Vous ouvrez les cahiers, vous cherchez les erreurs, vous suivez les remarques. Mademoiselle Lilia, n'est-ce pas? Comme d'habitude, tu n'as pas fait ton travail. Bah, comme punition, tu vas écrire, je dois faire mon travail 100 fois. Hein, ça t'apprendra. Allez, Adam, s'il te plaît, tu distribues pareil. On ouvre son cahier et on corrige ses erreurs. Oui? Quoi? Déjà, c'est pas possible. Fais-moi voir. Je dois faire mon travail 100 fois. Tu te moques de moi? Non, maîtresse. On m'avait dit d'écrire. Je dois faire mon travail 100 fois. J'ai écrit. Je dois faire mon travail 100 fois. Mais... Sophia, donne-moi le nom d'un animal qui vit dans le désert. Un chameau. Très bien. Rita? Oui? Donne-moi le nom d'un autre animal qui vit dans le désert. Allons, c'est facile. Un autre chameau, maîtresse?